Good morning, Aleiden. L'étudiant aujourd'hui est le Nishmat Rivka Batra, Jalachel Batra, Yosef Ben Emma Simcha, et aussi le Nishmat Chaim Bar Esther Lachmi, et l'Irfuat Chaya Esther Bat Miriam, Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, vous étudiez Baba Batra Perik He, Mishnah Yud, Hasiton Mekaneach Midotav, Achat Lishloshim Yom, Ubala Bait, Achat Lishnem Asar Chodesh. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chilouf Advarim. Chedvani Mekaneach Midotav Pamaim Beshabbat, Umemachem Mishkalotav Pamachat Beshabbat, Umekaneach Moznaim Alkol Mishkal Mishkal. Mishnah qui va se relier un petit peu avec la Mishnah qu'on avait, la Mishnah Chet, où on parle de la droiture dans les mesures. On va commencer d'abord avec un pasouk dans Chumash Vaikra. Parashat Kedoshim, Perek Yutet, Pasuk Lamedre, Lotasu Avel Bamishpat, Bamida, Bamishkal ou Bamesura, vous ne commettrez pas d'iniquité, d'injustice, Avel, une Avla, une injustice, Bamishpat dans vos jugements, Bamida lorsque vous mesurez, c'est trois formes de mesure, la Mida, le Mishkal et Mesura. Mida c'est la mesure avec la corde, la mesure de distance, Mishkal c'est le poids, Mesura c'est une mesure de volume. Ensuite, le passage juste après nous enseigne. Mosne Tzedek, des balances justes. Avne Tzedek, des pierres justes, les pierres qu'on met pour faire le contrepoids. Eifat Tzedek, une mesure de volume. Eifa Hin Tzedek aussi, c'est une mesure encore plus petite. Yelachem, vous devrez avoir donc tous, on a un devoir d'avoir des mesures justes lorsque l'on mesure. On apprendra demain, on rapportera encore un autre passage qui se trouve cette fois-ci dans le Chumash Dvarim, Perek Chafé, mais on le rapportera dans la prochaine Mishnah. D'accord ? Donc pour le moment, on apprend de ce passage qu'on a une mitzvah de la Torah, de veiller à avoir des mesures justes dans tout ce que l'on pèse, et c'est sur ça que la Mishnah nous parle, en nous disant « Asiton mekaneach midotav achat lishloshim yom » Le siton, c'est le grossiste. Le grossiste doit essuyer ces mesures de liquide, ouais, il utilise des gros tourneaux gradués pour vendre, acheter et vendre même. Il achète en gros, il vend ensuite un peu plus au détail, aux épiciers, d'accord ? Et donc lui a le devoir d'essuyer, de nettoyer ses mesures une fois tous les 30 jours. Ou balabait achat lishna masar chodesh. Par contre, une simple personne qui vend occasionnellement chez lui à la maison, alors il a le devoir de faire une fois tous les 12 mois. Soit, on va déduire ça de la suite, en tout cas on parle de, lorsqu'on vend par exemple, on parle d'une mesure de liquide, de l'huile, du vin, à chaque fois qu'on va mesurer, il va rester des petits dépôts très fins, cependant, mais quand même, ça reste, et puis à la longue ça va sécher, s'accumuler, puis le volume va diminuer. Donc, la méchante nous enseigne le grossiste, puisque lui il a beaucoup de trafic. Une fois tous les 30 jours, il doit faire une petite pause, quelques heures, et il nettoie toutes ses mesures, il les lave bien de fond, et puis ensuite il continue. Et quelqu'un qui vend occasionnellement chez lui à la maison, une fois tous les 12 mois. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chilouf Advarim. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne qu'il faut faire le contraire. Soit le grossiste, une fois tous les 12 mois, et le balabait. Le balabait, c'est quelqu'un, le particulier, qui n'est pas un vendeur, ni en gros, et ni même en détail, c'est pas un épicier. D'accord ? C'est quelqu'un qui vend à la maison, ça lui arrive de vendre un petit peu par-ci par-là. Production purement individuelle, mais il vend un petit peu comme ça ses voisins. Alors lui, il a le devoir, lui par contre, de faire une fois tous les 30 jours. Pourquoi ? C'est simple. Chacun y considère autre chose. J'ai un peu de mal à comprendre parce qu'en fait, il faudra aller faire de la statistique et voir concrètement comment ça se passe. Chacun, il a une optique différente sur l'histoire. Le siton, lui, donc selon Tanakama, le grossiste, c'est quelqu'un qui vend beaucoup. Donc il y a beaucoup, à chaque fois, il y a une nouvelle occasion que ça se colle un petit peu, à la différence du balabait, du particulier, qui ne vend que très peu. Et Rabban Shimon Gamliel va nous dire le contraire. Non, le grossiste, parce qu'il vend beaucoup, à chaque fois qu'il va réutiliser, ça n'aura pas le temps de sécher sur la mesure, qu'il va déjà re-remplir et reverser. Donc finalement, ça ne va pas tellement s'accumuler. Donc ça suffit pour lui de le faire une fois tous les 12 mois. Tandis que le balabait, lui qui vend occasionnellement chez lui à la maison, une fois tous les 30 jours, dès qu'il a fait une fois, même, après il ne va pas utiliser sa mesure pendant, dès qu'il a utilisé sa mesure une fois, après il ne va plus l'utiliser pendant 2-3 jours, ça va déjà sécher, après il va l'utiliser une deuxième fois, ça va sécher une nouvelle pellicule. De ce fait,
lui doit le faire tous les 30 jours, selon Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord ? On passe à la suite de la Mishnah maintenant. On va parler à présent de l'épicier et des mesures. Achen Vani, l'épicier donc, Mekaneach Midotav Pa'amaim Bashabbat, lui doit essuyer ses mesures deux fois par semaine. Shabbat, c'est une semaine, c'est pas que le Shabbat. D'accord ? Deux fois par semaine. Et on n'a qu'à lire, traduire tout, et après on expliquera ensuite. Ou Memache Mishkelotav Pa'amachat Bashabbat. Et une fois par semaine, il doit aussi essuyer ses poids. Ou Mekaneach Moznaim Alkol Mishkal ou Mishkal, et aussi les plateaux de la balance. Les Moznaim. Moznaim, c'est comme les oreilles, ça vient de Moznaim, parce que c'est l'équilibre. Et Moznaim, donc c'est les deux poids, les deux plateaux de la balance. Lui, à chaque fois qu'il fait une nouvelle mesure, il doit ensuite l'essuyer. C'est-à-dire, il a un petit chiffon sur lui, tac, il fait tout le reste, comme ça ensuite, pour la prochaine pesée, il pèse honnêtement. D'accord ? On a un petit problème technique. Quelle est la raison pourquoi l'épicier doit lui essuyer ses mesures deux fois par jour? Si vous faites attention, il n'y a pas de discussion sur ça. C'est-à-dire, même selon Rabban Shimon ben Gamliel, qui disait que lorsqu'on utilise beaucoup, par exemple, alors ça n'a pas le temps de s'accumuler qu'on réutilise. De ce fait, pourquoi l'épicier a le devoir d'essuyer deux fois par semaine? Quelle est la raison? Il a un débit encore plus intense que le grossiste? La réponse, elle est que non, il n'a pas forcément un débit plus intense. Au contraire, même. Mais il y a une différence. Si vous vous rappelez dans la Mishnah Chet, on apprenait que le Chenvani, lui, l'épicier, il n'a pas de temps à perdre. N'importe quelle personne, plutôt, n'importe quelle personne qui vend un liquide, que ce soit un grossiste ou que ce soit un particulier, lui, on apprenait que lorsqu'il verse, il doit ensuite attendre qu'il y ait les trois gouttes qui tombent. Vous vous rappelez de cette Mishnah, dans la Mishnah Chet ? Il y a donc la Mishnah juste avant celle d'hier, quoi. On apprenait qu'il a le devoir d'attendre les trois gouttes qui tombent. De ce fait, il n'y a pas beaucoup de résidus qui restent dans l'ustensile. Donc notre seul problème, c'est que le petit résidu qui va rester, il va quand même sécher. Et sur ça, on avait le début de la Mishnah qui nous disait, alors ça dépendra, on considérera selon le grossiste, le particulier. Mais le chen vani, lui, l'épicé, il n'a pas le devoir de faire couler ses trois gouttes. De ce fait, il laisse beaucoup plus dans sa mesure. Constamment, il est en train de courir. Donc finalement, il va avoir un moment où sa mesure va chômer un petit peu pendant 2-3 heures, le temps d'aller manger son sandwich, faire mincha, revenir le lendemain matin, peu importe. Et là-bas, il va laisser une mesure plus conséquente dans la mesure. D'accord, il va laisser une quantité plus conséquente. De ce fait, il y a plus de risques que des résidus vont se coller, vont sécher et se coller, et vont réduire le volume. Donc il y a le devoir de l'essayer deux fois par semaine, c'est clair ? On continue ensuite. Avec Memache Mishkelotav Mamachat Bashabbat, il doit essuyer aussi ses poids. Il a les mains sales, toujours il touche à la marchandise, il touche ici des choses collantes, des choses grasses, et à chaque fois il va toucher son poids. Chaque fois qu'il va toucher son poids, il va laisser encore un petit peu plus de sucre, un petit peu de trucs par-ci par-là. Le kilo, il va finir par faire 1,05 kg. C'est pas honnête. Tu dois vendre honnêtement, donc il doit être essuyé. Ouais, mais maché, c'est essuyé. Comme au macha et shemelkim dima makolpanim. Donc il doit essuyer ses poids, mishkal, pas machat bashabbat, une fois par semaine. Et aussi, au mekanach mozaim alkol mishkal ou mishkal, à chaque fois qu'il va venir peser, il doit retourner, c'est un petit coup, il retourne comme ça, il passe un petit chiffon et c'est vite fait, sur à chaque fois dans le kaf mozaim. Le kaf mozaim, donc on a dit le plateau de la balance, étant donné que c'est là-bas où il pose la nourriture, à même le plateau, ça peut mieux plus s'accumuler, d'accord ? On fait à présent le Barthénora, Asitone, Socher, c'est quoi Asitone? On avait dit que c'était le grossiste. Socher Shekone Harbe Beyachad, un commerçant qui achète beaucoup d'un coup. Vechoser Omocher Alachen Vani Meat Meat. Et ensuite il vend petit peu par petit peu aux épiciers. Mekaneach Midotav, on avait vu qu'il doit essuyer ses mesures. Bishvil Ayain Vashemen Shinikraj Betocham, à cause du vin et de l'huile qui s'agglomère, qui se sèche à l'intérieur de la mesure. Et donc forcément il réduit le volume de la mesure. Ou Balabait, ensuite on a vu le Balabait, le particulier. Sheno Mocher Tadir Kesiton, que ce n'est pas une personne qui vend constamment avec un débit très fort comme le grossiste. C'est pour ça que la Mishnah nous enseigne, mais Kaner, pas Machat Machana, il devra donc essuyer une fois par an. D'accord ? Une fois par 12 mois, il y avait écrit, donc ça fait une fois par an. Ensuite, Pa'amaim Beshabbat,
Pamaim Beshabbat, ça, on est passé sur la suite avec l'épicier. Lui, il a le devoir d'essuyer encore plus. Pour quelle raison? Alors, le Bartanura nous explique. Parce que l'épicier n'a pas le devoir de faire couler les trois fameuses gouttes, comme on apprend dans la Mishnah Chet, comme au Shechayav Basiton Balabait, au même titre que à la différence du grossiste et du particulier qui ont le devoir de faire couler ces gouttes. Et de ce fait, au Mishtaïa Bekli Benin Bagbo, et donc plus de résidus reste collé sur l'ustensile et finit par se fixer dessus. Ou même après, ensuite il devait essuyer, mais qu'un nez à Ravne Mishkelotav, chez Jokal Ben Davarnach, il doit essuyer les pierres, donc les poids avec lesquels il pèse, chez Jokal Ben Davarnach, avec lesquels il pèse des objets un petit peu humides, comme ça je préfère traduire. Alcool, Mishkal ou Mishkal, et aussi il doit essuyer les plateaux à chaque mesure ou mesure. Pourquoi? Kol pa'am sheshokel mekaneh. À chaque fois qu'il devra peser, il devra essuyer de nouveau. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Kol tov, selam.